Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour devenir coach? La réponse est oui. Et je te propose de te le prouver dans cette courte vidéo. On va voir ensemble pourquoi est-ce que tu devrais te lancer là-dedans et pourquoi est-ce que tu as déjà tout ce qu'il faut aujourd'hui pour démarrer ce métier qui est superbe. Waouh! Je vais te donner 5 très bonnes raisons de devenir coach dès aujourd'hui. Tout premier point, c'est le plus beau métier du monde. Et la raison est la suivante, c'est que tu changes des vies. C'est-à-dire que tu vas changer aussi bien ta vie en apprenant des choses tout le long et en progressant. Donc en gros, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas apprendre, découvrir, comprendre la psychologie et t'améliorer toi-même et ta propre vie et être plus heureux. Mais aussi, le double effet qui se coule, c'est que tu vas pouvoir changer la vie des gens que tu fréquentes, les gens que tu coaches, les gens que tu accompagnes. Enfin, moi, par exemple, si j'en viens un peu sur ma vie, j'ai été salarié pendant 5 à 10 ans dans une société, dans une très grosse société française, et j'avais l'impression que ma vie servait à rien. Depuis que j'ai décidé de devenir coach en un jour, ce qui s'est passé, c'est que non seulement ma vie s'améliore parce que je suis plus heureux de chaque lecture, de chaque chose que j'apprends, et également, je peux transformer le monde parce que plus je touche de gens, plus je vais impacter les gens et plus je vais transformer leur vie aussi. Alors ça peut être simplement de transformer la vie de ses proches, ça peut être aussi de transformer la France ou le monde entier parce que tu vas donner aux gens des conseils qui sont juste géniaux. Deuxième point, c'est que devenir coach n'a pas besoin de passer par une formation en France. C'est-à-dire que tu peux dire aujourd'hui que tu es coach. Et même, et là je pense que tout le monde va hurler en regardant ça aujourd'hui dans cette vidéo, tu devrais même démarrer sans te former. Tu devrais démarrer ton métier de coach sans te former, tu devrais t'entraîner. Donc oui, on peut démarrer aujourd'hui sans formation. Et une fois que tu en as fait quelques dizaines ou que tu as accompagné suffisamment de monde, renseigne-toi, regarde un peu les différentes formations qui existent. D'ailleurs, je vais t'en donner une qui est gratuite, tu vas voir, c'est juste après. Et tu vas pouvoir te former et découvrir tous les outils qui existent comme la PNL, les outils psychologiques, les tests de personnalité pour découvrir à qui t'as affaire en face de toi et comment faire pour les faire progresser dans leur vie et résoudre leurs blocages. Troisième point et pas des moindres, tu peux travailler de là où tu veux. Tu peux habiter sur une île déserte, tu peux être à la plage comme moi dans le sud de la France, tu peux être dans une métropole française ou n'importe où ailleurs dans le monde. Il te suffit d'avoir simplement un téléphone et c'est suffisant, c'est assez. Tu as tous les outils nécessaires pour démarrer ton travail, ton nouveau métier de coach, c'est suffisant. Et ça, mine de rien, c'est pas rien. Parce que tu peux en plus, derrière, définir tes horaires. Si tu peux décider de travailler, par exemple, que de 15h à 18h, ou peut-être que le mercredi, ou peut-être que le soir. Enfin, tu fais comme tu veux. C'est ça qui est génial. Enfin, je sais pas. Ou qu'à Nouvel An, peut-être. Enfin, peut-être pas qu'à Nouvel An, mais enfin, quand tu veux, en fait, quand tu veux. C'est toi le chef. C'est toi qui décides. Point numéro 4, il y a des tonnes de gens qui cherchent des coachs, il y a des tonnes de gens qui veulent changer de vie, qui veulent améliorer leur vie, qui veulent être plus heureux, qui veulent être libres derrière et tu seras la bonne personne pour les aider à ça. Tu sais, on peut être coach, je t'ai dit tout à l'heure, on peut être coach sans avoir aucune formation. Déjà, rien que le fait d'apporter un œil externe sur une situation et d'avoir un peu de bon sens suffit pour accompagner des gens et pour les débloquer dans leur vie. Le problème des personnes souvent, c'est que comme ils ont trop le nez dans leurs problèmes, ils n'arrivent pas à savoir comment se comporter et quoi faire. Le simple fait d'avoir un œil externe qui n'est pas quelqu'un de leur proche, qui est une personne inconnue, ils vont pouvoir se libérer, te dire une tonne de choses et toi, tu vas pouvoir les aider à prendre les bonnes décisions derrière. Cinquième point, si jamais tu veux que je t'accompagne, j'ai une formation qui est gratuite, qui va te donner une tonne d'informations pour devenir coach. Je t'ai mis ça dans la description, c'est le lien qui est juste en dessous. Donc, profites-en, rejoins le mouvement et j'espère que tu auras autant de bonheur que moi à faire ce métier qui est, à mon sens, le plus beau métier du monde. Si jamais tu as des questions, tu les marques juste en dessous dans la description. Je me ferai un plaisir d'y répondre à chacun d'entre vous. Mets-moi des messages plutôt positifs. Ah, tu peux mettre des insultes aussi, mais plutôt un truc. Enfin, je sais pas. Mets ce que tu veux. Mets-moi des questions. Écris ton truc. Écris-moi tes questions. Et je te renseigne. C'est juste en dessous.